Nous revoilà une autre fois pour faire la deuxième partie de l'expression orale. Et pour cette partie-là, on va parler de la négation, ou bien plutôt comment former une expression de négation. Et l'expression d'aujourd'hui, c'est il n'a pas de, ou bien elle n'a pas de. Pour former cette expression-là, l'employé, on doit répondre à la question a-t-il ou a-t-elle une ou un, c'est-à-dire une chose. On se pose la question, est-ce qu'elle a ou est-ce qu'il a quelque chose, une telle chose? Et la réponse est non, il n'a pas de. Et on précise cet objet-là, cette chose-là. Bien, on dit non, elle n'a pas de. On va le voir en exemple. Par exemple, ici, on va dire a-t-il une lampe? A-t-il une lampe? Répétez. Non. Non, il n'a pas de lampe. Répétez. Non, il n'a pas de lampe. Un autre exemple. A-t-elle un chien? A-t-elle un chien? Alors, on va dire quoi? Bravo. Non, elle n'a pas de chien. Non, elle n'a pas de chien. Ici, a-t-il un livre? A-t-il un livre? Et la réponse est non. Il n'a pas, très bien, il n'a pas de livre. Bravo. Très bien, c'est comme ça qu'on fait pour formuler cette expression-là. Pour voir est-ce que vous avez bien compris cette leçon, je vais vous montrer des images d'objets que vous devez employer dans des phrases. Vous pouvez demander à vos parents de vous poser la question a-t-il ou a-t-elle, ça reste à vous. Vous pouvez choisir est-ce que vous voulez parler d'un garçon ou d'une fille, mais la réponse doit être négative, c'est-à-dire vous devez dire non. Alors, d'abord, on va employer le mot chat. A-t-il ou a-t-elle un chat? Très bien. Et j'attends vos réponses. Un vélo. Très bien. Un parapluie. Oui. Une voiture ou une trousse. Alors on répète, un chat, un parapluie, un vélo, une voiture ou bien une trousse. Et aussi, vous pouvez ajouter d'autres choses si vous voulez. J'attends vos réponses et à tout à l'heure.